Commencez par enlever les résidus de rouille ou de vieilles peintures et vernis. Nettoyez et dégraissez la surface autour de la rayure. Masquez une surface ample autour de la zone à travailler. Appliquez le primaire en plusieurs couches fines. Ensuite, poncez légèrement la surface. Après cela, nettoyez et dégraissez à nouveau. Utilisez l'application de recherche Motip Color pour trouver la couleur adaptée. Appliquez la peinture en plusieurs fines couches et laissez sécher. Ensuite, appliquez deux couches superposées de vernis. Utilisez du Spot Blender si nécessaire. Laissez sécher complètement.